Ok les gars, salut à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis une vidéo juste avant pour vous montrer quelles récompenses qu'on avait pour ceux qui ont sauvé le monde, etc. Et puis quelques skins, pour ceux qui ont des skins, certains skins, des nouvelles custom, il y a d'autres qui vont arriver, les custom aussi. Mais là, on va avoir une nouvelle boutique, donc bon, il y a les mêmes trucs hier soir, plus un nouveau, le partenariat du coup avec Epic Games et le jeu vidéo qui, je pense que beaucoup connaissent, Borderlands. Donc ce skins là, t'as 2000 bucks. Mais pas le skin lui-même, hein, parce que vous avez la pioche avec. C'est le genre le pack entier à 2000 bucks. En vrai, le skin coûte 1500. Mais vous, si vous achetez l'ensemble, obligatoirement, vous devez acheter avec la pioche. Donc, je trouve ça un peu dommage d'acheter forcément la pioche. Je pense que, en plus, la pioche, elle est pas ouf ouf. Après, elle est pas moche non plus, mais voilà. Donc, bref, vous avez le skin du coup bandit sadique. On dirait un peu un psychopathe. C'est pour ça que ça me plaît d'ailleurs. Genre de skins là, en vrai j'aime bien, il est stylé, on dirait un peu un fou allié. Avec son petit robot là, je crois qu'il parle en plus le robot, normalement. Ami non inclus, partie de l'ensemble et tout. Claptrap il s'appelle le robot, ok. Vous avez la petite pioche du coup qui a normalement c'est une pioche à 500 V-Bucks. Et il s'appelle du coup H de Sadique. Ouais, elle fait un bruit de métal quoi, pas très. Enfin, le ouf, les bruits pas si non plus ouf, mais. Après, l'espèce de scie qui est scieuse, bon. En vrai, ça va, en vrai, l'ensemble ça va. Je suis mis des bugs juste avant de faire la vidéo pour être tranquille. Donc, je vais m'acheter direct le skin parce que j'avais prévu d'acheter un skin cette semaine, de toute façon, mais. À vrai dire, voilà. Les 2000 bugs que je viens d'acheter, bah, ils sont déjà dépensés. Comme ça, j'ai plus des bugs. Va falloir que je fasse des défis sur mes mains encore. Du coup, hop, c'est fait. Alors quoi, les couleurs ont changé, vous avez remarqué les couleurs de la boutique a changé. Alors, je sais pas si c'est moi. Le skin copy toujours disponible en boutique, on va passer vite parce qu'on la connaît. La petite pioche toujours disponible également, le clone piquant, on est bon là-dessus. Le revêtement brise toujours disponible forcément. Voilà, ça c'est un petit revêtement, on est bon. Ensuite, le skin songe toujours disponible en boutique à 1200 V-Bucks. On est bon, le petit planeur. Diaphane également à 1200 V-Bucks aussi. Voilà pour ceux qui ne l'avaient pas. Le skin du coup Luminos qui est magnifique d'ailleurs. Un des plus beaux skins je pense de la saison 9 qui est sorti. Donc là franchement qu'il soit de retour ça fait plaisir pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas déjà. À 1200 V-Bucks avec son petit sac à dos. Voilà la pioche du coup à 1200 V-Bucks H Astral qui est juste magnifique comme pioche. J'aime bien personnellement la pioche. Le skin là, on vient de le voir, on va pas regarder deux fois. Du coup, ça c'est un Arctic, du coup, de retour également, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu la boutique hier, je la remonte, à 1200 V-Bucks. La danse, on est mat. Ah, vrai, avec le skin, elle est badass la danse. À 500 V-Bucks. La petite cloche de lama, à 800 V-Bucks. Dire que le ski la danse de lama ça fait un an qu'elle est sortie, elle est sortie en août la dernière, mine de rien. La petite hache batte fossile du coup à 800 V-Bucks. En vrai la hache j'aime bien cette pioche mais je la prends jamais à chaque fois. D'ailleurs je me demande si la pioche irait pas avec ce skin en vrai. J'ai pas trop envie de me l'acheter. Je vais réfléchir. Du coup la petite danse très discrète à 500 V-Bucks. Avec le skin que j'ai là, on dirait un psychopathe prêt à tuer quelqu'un. Genre, il arrive tout discrètement, puis yep, t'es aussi derrière, tu vois. Je crois que je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Du coup, le skin Luminex également toujours disponible en boutique. À 800 V-Bucks. C'est un skin que j'ai acheté l'année dernière, d'ailleurs, après. Je l'ai acheté quasiment dans le début où je suis arrivé, donc. Est-ce que j'achète de la botte fossile? Parce qu'à chaque fois qu'elle sort en boutique, vous voyez, soit j'ai pas les V-Bucks, soit c'est pas le moment d'acheter. Et là, pour une fois, j'ai un peu de V-Bucks. Est-ce que je me la prends, les gars? Ah, ça me tente en vrai, parce que en vrai j'aime bien la pioche. Je la prenais pas à chaque fois. Ah, vas-y, je la prends comme ça, moi, les prises. Et plus le temps que je voulais la prendre. Voilà. En fait, c'est quasiment la même. C'est la somme que j'avais hier soir. C'est une blague, quoi. Le skin, c'est la danse que. Enfin, la pioche que je viens de prendre. M'a utilisé les V-Bucks que je viens de mettre à l'instant. Lol. Lol. Un tout doux. Ok, attendez, je vais mettre les pioches. Donc la pioche, je suis avec le skin.
Et la pioche que je viens d'acheter là 2 secondes. Et je suis déjà plus où aller parce que je suis pas encore bien réveillée. Et où la pioche que je viens de prendre à 2 secondes et demie là? Là. Le petit sac à dos à lui. Le skin forcément. Hop. Les femmes et les robots d'abord. Le robot il parle, hein, c'est un truc de ouf. Franchement, ça fait trop rire, c'est le robot qui parle, quoi. Enfin, j'en peux plus. Bref, l'autre petit skin, du coup, oh, il est badass. Non, franchement, il est badass. Attends, on va faire une danse. Enfin. Bref. Moi, je vous dis du coup à demain pour de prochaines vidéos, les gars. Notez la boutique d'aujourd'hui, la nouvelle boutique, on va dire. Et dites-moi ce que vous en pensez du nouveau skin, du coup, le pack sadique, qui est du coup un nouveau partenariat avec Epic Games, du coup, et une bandoline. Je répète pour ceux qui n'avaient pas vu ce que j'ai dit au début. Enfin, bref, je suis fatigué, mais j'essaie de faire assez vite pour mettre toutes les vidéos le même jour. Et du coup, le partenariat, il aura, je crois qu'il a duré pendant quelques semaines. La nouvelle ville, du coup, Pandora, qui est du coup dans la map, je vais vous montrer tout à l'heure. Je sais pas si je vais faire la vidéo plutôt ce soir. Parce que là, je suis vraiment fatigué. Il faut que je dorme un peu. Je vais sûrement faire la vidéo ce soir. Que je serai bien plus réveillé. Et plus en forme, surtout. Je vous montrerai du coup un petit extrait. On verra du coup à quoi ressemble la nouvelle ville. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder le jour même. Pour ceux qui travaillent, peut-être. Ceux qui sont à l'école cette semaine, les pauvres. Enfin bref, je vous montrerai la nouvelle map. Sûrement dans la soirée. Donc, dès que je serai réveillé, je ferai directement une vidéo pour la mettre sur ma chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à la plus tard. Ciao les gars!